Voici une nouvelle expression que l'on nous demande de réduire. 2 tiers de x plus 3 demi de x. Il y a bien une addition avec deux petites multiplications et un facteur commun. Nous allons donc factoriser par x comme nous avons pris l'habitude. Je relance, je prends le x du terme du premier terme, le x du deuxième terme et je n'ai plus qu'à effectuer l'addition des deux fractions. Alors, le 2 tiers plus le 3 demi. Comment faire? Bien, tout simplement, comme d'habitude avec les fractions, je vais additionner deux fractions, elles ne sont pas au même dénominateur, donc je suis obligé de les mettre au même dénominateur. La première, je vais multiplier par 2, comme ça j'aurai 6 en dessous. La deuxième, je vais la multiplier par 3, comme ça j'aurai 6 aussi au dénominateur, ce qui nous donne donc un résultat de 2 fois 2, 4, 3 fois 2, 6, 3 fois 3, 9 et 2 fois 3, 6, ce qui nous donne 4 sur 6, 3 fois 3, 9 sur 2 fois 3, 6, sans oublier le x puisque je n'y touche pas, il y est. Je n'ai plus qu'à calculer, j'additionne les deux fractions au même dénominateur, je conserve le même dénominateur qui sera donc 6, j'additionne les numérateurs, 4 plus 9, 13, j'ai donc un résultat égal à 13 sur 6 fois x. 13 sur 6, x, 13 sixièmes, 2x. Voilà la réponse.